On a décidé d'être encore plus fort cette année, d'aller plus loin. Déjà, Connect Sud, c'est le salon des professionnels pour les professionnels. Vous avez des exposants qui proposent des solutions et des professionnels qui viennent les voir pour augmenter leur développement et intégrer leurs solutions, qu'elles soient numériques, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient pour développer du e-commerce. Et cette année, il y a une demi-journée de plus parce qu'au regard du succès de l'édition de l'année dernière, il nous a semblé nécessaire de donner plus de temps pour que ce business s'épanouisse. Et puis, il y a toujours la volonté d'aller chercher des produits innovants. On en est à la 8e édition. Et en fait, l'idée de base, ça a été simplement, nous, en tant que Sud de France Développement, la mission que nous confie la région, c'est d'accompagner les entreprises dans la conquête des marchés. Pour être conquérant et compétitif, il faut que les entreprises que nous accompagnons, elles soient au top au niveau de leur positionnement marketing, au niveau de leur RH, au niveau du financement. Et finalement, s'est rendu compte que trop souvent, ces sociétés, elles allaient chercher en dehors de la région ces compétences dont elles avaient besoin. Donc on a voulu créer cet événement qui a pris aujourd'hui la taille qu'il a avec plus de 2500 participants pour arriver à connecter les entreprises entre elles, montrer que les solutions et les savoir-faire des unes peuvent devenir les vrais leviers de compétitivité et de développement des autres. Voilà l'idée de Connect Sud. Et ce salon Connect Sud a un niveau de concrétisation suite aux contacts qui ont été faits sur le salon, qui est importante. Et c'est la démonstration qu'on peut, sur les salons aussi, créer du lien, créer des relations et créer du business. Et puis ce business-là, moi, il m'intéresse en tant que vice-présidente de la région, parce que ça crée de l'emploi en région Occitanie. Alors, lundi matin, c'est une société montpelliéraine qui emploie 40 collaborateurs. Notre activité historique, c'est l'édition d'un logiciel de gestion commerciale en ligne. Donc qui permet de gérer tout ce qui est achat, vente, etc., emailing, SMS mailing. Et l'innovation qu'on présente cette année sur Connect Sud, les innovations plutôt, c'est des caisses enregistreuses sur tablette, donc Rover Cash et Air Kitchen. Philobject, c'est une start-up toulousaine créée en 2015. Et l'année dernière, nous avons créé un pôle dédié à l'innovation autour du handicap. Et nous avons créé EZDAS, c'est la première carte interactive qui aide les déficients visuels à se déplacer en autonomie dans les bâtiments. Nous présentons une solution innovante aux awards demain, donc qui s'appelle SmartCO. C'est un analyseur hyper puissant qui permet de faire un audit sur mesure de votre référencement sur Internet. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir, juste en copiant votre URL dans cet analyseur qui va travailler tout seul, pouvoir observer votre communication positive ou négative sur Internet.